Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Binding of Isaac Rebirth. La dernière fois, on s'était arrêté après avoir fini les deux derniers challenges qu'on avait de débloquer. Et on va tout de suite commencer une partie normale avec Azazel. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Donc petite présentation d'Azazel. Azazel n'a que 3 cœurs noirs. Je vais pas aller dans la salle à sacrifice pour le moment. Il peut voler et utilise une brimstone, pardon. Bon ben là ça va être la win, je dirais. Si ça marche, bien entendu. J'espère. Donc ça, ce que j'ai, ça permet d'augmenter la vie. Enfin, ça augmente que dalle, je veux dire, ça... Ah, comment dire. Ça dirige les tirs, mais je sais pas si ça marche avec le gros laser. Ça va pas l'air, mais... Ça m'a l'air d'augmenter mes dégâts, non pas du tout. Pinky Eye. Poison Shot. Voilà. Ça prend un peu plus de temps à charger. Et voilà. J'ai bien envie d'aller voir dans la salle. Enfin, maudite, vu que c'est une salle curse, comme on dit. En anglais. Oh, très bien. Two of Earth ou The Fool. Je vais prendre The Fool pour pas prendre de dégâts. Et on va descendre. Ah non, j'aurais pas dû prendre ça, parce que ça va me donner moins de clés, et donc je pourrais moins ouvrir les salles. C'est ça le problème avec la queue de Guppy, ça donne des coffres en or avec pour ouvrir avec une clé, mais ça ne me donne pas de clés. Enfin, moins de chances d'avoir des clés, pardon. Regardez, par exemple là. Bon, c'était un mauvais choix, mais c'est pas grave. On devra réussir normalement même sans aucun objet. Donc là cette fois-ci ça va pas être jusqu'à Mum, ça va être jusqu'à le cœur de Mum. Vous verrez bien si on y arrive. On est très bien parti là. Après ce perso il est complètement cheaté. Hein. Complètement fort. Hein. Enfin il y a pas beaucoup de défauts sauf qu'il n'y a pas de cœur pour le moment, mais il peut en avoir. J'ai fait n'importe quoi. Bah, j'aurais pas de clé pour la salle, hein. À moins que... Ah, nice. Ok, ça me donne des clés et tout en plus, ça c'est très très utile. Ça m'a donné du stock. Ok... Ah ouais, ça a balancé mes stats aussi. Pas grave, c'est tant mieux. Salle secrète ici. Non. Rocher bleu ici, donc on va prendre, qui va nous donner un cœur bleu normalement. Ah non, un coffre. On visitera la salle maudite juste après. On va prendre ça et puis c'est tout. On va essayer de regarder s'il n'y a pas des objets intéressants là. Que dalle. Alors le deuxième endroit possible de la salle secrète c'est ici. Voilà. Toujours avec plus de pièces. Donc on va aller dans la salle ici. Pas voir si du tout, mais vraiment pas du tout. On a perdu un cœur en venant ici. Flûtin. Ce serait bien si je perdais pas tous mes cœurs.
Et voilà. HP up. On prend, allez. Damage up. Ça l'indique pas. C'est bizarre. C'est pas grave. Case 1. Est-ce que là ça l'indique? Non, toujours pas. Coffre normal. Allez. Ça a augmenté ma vitesse d'attaque, ça j'en suis sûr, mais les dégâts, j'en suis pas si sûr. Ça c'est nice, toujours plus de pièces. Maintenant il faudrait monnier equal power, ce serait bien. Bon non, pas de poule quoi. L'objet le plus inutile au jeu, du monde quoi. The Pope. Nice. Infamy. Il ne reste plus que deux clés. Ok, là-haut. J'ai plus envie d'aller voir. Ah, la blue map, ça c'est très 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 bien. Ça va être très 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 utile. La première salle secrète se trouve juste ici. On sait si on a vidé les salles secrètes quand elles sont blanches après être rentrées. Comme ça. Maintenant il me faut des bombes. Et après, ben. Les doigts dans le nez. Il me reste plus qu'une seule clé. Ouais. Lui il vient de donner des bombes. Paralyze Eyes, ça me donne encore plus. Ah non, ça c'était SO Space, c'était pour les clés. Dommage. Hein. C'est quel étage? C'est le premier étage, je me suis toujours pas fait toucher. Ce serait bien que je me fasse pas toucher dans les caves, dans les deux. Comme ça je débloque un succès. Et j'aurais pu m'en faire pour ce succès. Qui est de ne pas se faire toucher dans les deux étages. Et il y a ça dans tous les étages, donc enfin, dans toutes les deux périodes de deux étages. Et ce serait bien comme ça. Je galérerais pas trop à l'avoir. Ah non, pas lui, il va encore me toucher. J'aime pas trop ce boss, je vous le dis tout de suite. Ah, il m'a pas touché, ça c'est la bonne chose. Des pilules. Non, on va pas tester ces pilules là. J'ai pas envie de me prendre un dégât pour rien. Il faut pas que je me fasse toucher ici, ce serait bien. Voilà, toujours utilisé à son avantage. Depuis la première partie que j'ai faite et celle-là, je me suis amélioré, je trouve. Hein. Ouf, il fallait me faire toucher.
cœur. Il tire en diagonale, il m'a fait peur lui. Non, pas ça, pas ça, ça je prends pas. Voilà, salle du boss juste là-haut, faut pas que je me fasse toucher. On va passer par ici, j'ai toujours pas trouvé la salle. Je joue ma vie là. La mitre, hein. Très bon objet qui nous donne une chance d'avoir un cœur bleu à chaque salle. Non merci, pas l'allumette. Je sais plus elle fait quoi exactement, mais non merci. L'échelle non, ça oui, la clé oui. La bombe oui. Allez-y, on va aller au boss. Je crois que je me suis toujours pas fait toucher, hein, ce sera bien. Pin. Deux pins. Normalement, ça devrait être bon. Nice! Débloqué! Spelunker Boy! Nice, 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 nice. Très bien. J'ai la Guppy Tail, j'ai le Guppy Collier. Ok. Maintenant, il faut pas que je me fasse toucher ici aussi. Je me rappelle que dans le premier c'était ici que je me faisais souvent touché. Il me faudrait le Holy Shield et tout irait très très bien. Ah, un cœur bleu. Donc là je suis full cœur, je risque pas de mourir, mais le truc c'est qu'il faut pas que je me fasse toucher si je veux avoir le succès. J'allais dire je vais garder une clé mais non ils m'en ont donné donc ça va. J'ai eu chaud. Ah, ça va ici, je me suis pas fait toucher pour une fois. Le champignon qui me donne du damage up et qui me donne un cœur en plus de tout ça. Faudrait que je puisse le régène. Non, je garde mes clés, j'en ai plus besoin que sur toi. Pilule, non merci. Ça, on va le prendre parce que ça va nous être très utile. Comme j'ai des poops. Mais je suis un mongol. Un gros mongol quoi. Salle secrète numéro 1. Voilà. Des bombes et tout et que des bombes. Des bombes. J'ai ouvert la salle super secrète. Je vois combien de dégâts. J'en ai pas beaucoup hein, quand même.
Je sais pas si ça peut donner autre chose que des cœurs bleus. C'est pas grave. La build nanon là n'a pas l'air très utile, mais on va prendre quand même au cas où on tombe sur un meilleur objet. Au cas où je me prends des dégâts. Heureusement que je vole, hein, sinon je sais pas comment j'aurais pu faire. Hein. Ce serait bien si je puisse débloquer le succès sur ça, sur Utero et tout. Ah bah non. M'énerve ce... Oh là là, on a failli réussir, premier étage quoi, sans se faire toucher. Nice, ça c'est un cœur éternel. Qui nous permet... Ah, en plus j'aurais pu utiliser ça pour la salle d'après. Le cœur éternel nous permet de... Si on ne le perd pas, d'avoir un cœur supplémentaire à la zone d'après. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Hein. Non merci, je veux pas prendre ça pour perdre mon cœur éternel. Et nous avons un cœur supplémentaire. Ah dommage que je me sois fait toucher. Je vais garder ma carte Emperor pour l'étage 2 de Utero. Ah et j'ai ouvert quand même une porte, je suis un gros mongol. Maintenant j'ai plus de clé. Allez, on prend tout ça. Espérons qu'il va me donner des clés au moins. Une clé, s'il vous plaît. Clé. Oh putain, il me fallait une clé, dommage. Ok. Toujours pas de clé. Toujours une machine. Ah, Pretty Fly, nice. Allez, une clé, quoi, je sais pas moi. Ah là 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 là. Bon, c'est aussi ma faute, hein. Je vais pas mentir, hein. C'est moi qui ai utilisé des clés inutilement. D'accord, strange. Nice. Complètement pété. J'ai pas été voir la salle super secrète, on va y aller tout de suite. Et on va retourner en arrière pour voir s'il n'y a pas d'autres objets intéressants. On a des cœurs. Il faut une clé, moi. Une clé. J'ai tellement de cœur bleu quoi là.
je veux pas prendre de risques, voilà. Oh mais non. Oh là 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 là. Non non, faut pas qu'elle m'agrippe. Tu me toucheras pas. Ah, trop de coffres. Il reste une salle normalement pour essayer de la voir. Bon. Elle m'a embêté. C'est pas comme s'il me manquait de cœur. Hein. Bon bah go. Allons se faire mum. Ah fichier, j'ai pas de clé. J'aurais pu tomber sur un Polyphémus là, j'aurais pu tout détruire. Maintenant je fais pas beaucoup de dégâts, c'est n'importe quoi. On va tenter de faire le boss rush, tiens. Vous l'avez pas encore vu ça, mais le boss rush, ça permet de rush tous les boss du jeu. Enfin, ou pratiquement tous. Je peux peut-être mourir ici, mais c'est pas grave. J'aurais tenté au moins. Lui, il chie les cacarouches. Les cacarouches, ils repoussent tout le temps. Ils nous font des dégâts quand on les touche. C'est un sac à PV, Pipe. Hein. Voilà. Pipe est mort. Pour le, à la suite maintenant. Il y a certains boss qu'on n'a pas encore vus, hein, mais qui sont là, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faut avoir plus de faim pour pouvoir les avoir. Alors lui, celui-là de derrière, normalement je l'ai débloqué mais je l'ai toujours pas vu. En salle de boss. Et je sais pas si je débloque un succès si je le fais. Parce que je me rappelle je l'avais fait en mode challenge mais pas en mode normal. Donc on va essayer. Quelques dégâts. Et à partir du prochain étage, les dégâts des mobs seront de 1. De 1 cœur. Ce sera plus dur. Donc désolé si ça vous fait mal aux oreilles le bruit, hein. Normalement je vous ai pas demandé ça si ça vous est mal. Faut que j'en tue au moins un des deux.
serait bien. Ah, flûte. Voilà, un est mort. Deuxième va pas tarder à suivre. Deuxième est mort. Maintenant, celui-là, on l'a déjà... on l'a eu tout à l'heure, non? Pas encore. Ouais, ou alors c'était pas le même. Ouh là là, je prends trop de dégâts. Et je m'en fous parce qu'il y a les cœurs. Pin. Ça, c'est la version fantomatique, on va dire, de certains mobs. Enfin, de Larry Junior et de Duke of Lies. Alors, lui, il est vraiment dur, normalement. Faut pas que je marche dessus, c'est vrai. Lui, c'est celui-là de pipe. Alors, si celui-là, il faut le réussir sans se prendre un dégât, ça va être méga chaud. Non, c'est les chevaliers de l'apocalypse. Ah, c'est fichu. Crotte. Crotte rouge, là je les vois même plus. Ah, je suis vraiment n'importe quoi là, désolé. Trop de sang par terre, je vois plus rien. Lui, on l'a toujours pas vu, je crois. C'est Death, c'est le plus dur des cavaliers de l'apocalypse. Pour moi, enfin, je trouve. Allez, reviens. Encore cela. Ah, flûte. Ceux-là, c'est le boss, c'est The Fallen. Nice, je débloque The Nail. J'ai bien fait de le faire. Et on sort par là, et on descend pour aller jusqu'à The Bomb. Oups, j'aurais pas dû cliquer, c'est pas grave. The Womb 1 ou Utero. Non, c'est Utero d'abord. Ça va être vraiment chaud là, je peux vous le dire. Déjà, j'ai perdu parce que j'ai perdu un cœur. Ah, ça va être la merde. J'ai pas envie de perdre ici quoi. Surtout que maintenant, ici, il n'y a plus de seul au trésor, à partir de ces étages-là. Niche up. Donc il ne nous reste plus qu'à faire un seul étage normalement, et l'autre étage sera à faire ben, justement jusque le boss. J'ai un objet qui permet de faire que d'aller directement au boss. Salle secrète numéro 1. Non, pas les clés. Ça, c'est mes clés. Tu touches pas à mes clés. Non, mais oh. Tears down. Ah, flûte. Ah non, c'est juste la distance qui. Non, c'est. Non, non, c'est tears down à la base. Et puis, c'est pas grave. Hein. Ah là là là, flûte. J'ai le droit de me faire toucher encore 8 fois. La tête du truc quoi. Une pustule on dirait. Flûte.
que la salle secrète est juste en dessous. D'accord, j'ai vu la salle du boss. The Fool, non merci. Tears Down. Range Down. Bad Gaz. Health Up. Et Health Up, c'est ça? Ah non, c'est Bad Gaz celui-là. Nice, bah nice. Ouais, jamais vu celui-là. Ouah, c'est quoi ce boss? What the fuck? Plus de dégâts. Heureusement que je vole. Hein. Première fois que je vois ce boss. Hein. Trop bizarre. La salle secrète est juste à côté, donc on va aller la chercher quand même. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Et téléportation au boss. C'est pas facile. Hein. Et voilà. Idem. Ouais, bah go. J'avais soit le choix d'aller en enfer ou directement faire la première fin. Et bah j'ai choisi la première fin. Eden. Et donc voilà, nous avons débloqué Eden, le personnage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne, c'était TheusDead pour HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.